Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Une joie de nous retrouver en ce matin, toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges et avec tous les saints et saintes du ciel. En ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour cette nuit que tu nous as donnée. Merci parce qu'en ce matin encore, tu nous réveilles. Tu nous donnes de pouvoir nous tenir debout dans ta présence pour encore te louer, pour encore t'adorer, pour encore te magnifier. Te dire à quel point nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants quand nous voyons que tu renouvelles chaque matin tes bontés dans nos vies. Quand bien même nous ne le méritons pas, Seigneur, tu es là présent. Et en ce matin encore, tu nous appelles à une démonstration de foi, une démarche de foi envers toi. Au-delà de tout miracle, Seigneur, c'est une démarche véritable de foi que tu nous demandes. Et à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi qui m'écoutes, en ce matin, le Seigneur vient encore te faire un clin d'œil. Il vient parler à ton cœur en ce matin, parler à ton âme en ce matin. Te demander encore de poser un acte de foi. Il ne te demande pas de choses extraordinaires, mais dans la simplicité de ce qu'il est, que tu puisses véritablement croire qu'il a déjà fait. Il ne te demande pas quand, comment et par qui, car le maître du temps, c'est lui. Comment, quand il le fera, ne dépendent que de lui et de personne d'autre. La seule chose qu'il te demande, c'est la petite foi. Cette petite foi qu'ont eu les apôtres, cette petite foi qu'ont eu nos pères de la foi, tels que Abraham, Moïse, Noé, tels que le lépreux, tels que Zachée. C'est cette petite foi-là qu'il te demande en ce matin. Cette petite foi qui peut déplacer des montagnes. Cette petite foi qui peut déclencher la nervosité du ciel dans ta vie. Alors, qu'en ce matin, par Marie, notre mère, que ta foi, la foi en notre Seigneur Jésus, soit renouvelée. Que par l'intercession maternelle de Marie, que tu sois encore fortifié davantage dans les différentes situations que tu vis. Et je t'invite à reprendre ce cantique avec moi, mais avec foi et ferme conviction de l'existence de notre Seigneur à nos côtés. Christ est la paix, recherché de mon âme. Mon âme, ô
dans cette démarche de foi que nous faisons, Seigneur. Que tu viennes encore visiter nos familles, que tu viennes encore visiter nos foyers, que tu viennes encore visiter nos différentes nations, que tu visites encore nos différentes communautés auxquelles nous appartenons, Seigneur. Nous te savons remplis de miséricorde, remplis d'amour pour chacun de nous. Et c'est dans cette démarche, dans cette démonstration de foi que nous crions à toi, Abba. Que nous crions à toi, que nous soupirons à toi. Qu'il te plaise encore, Seigneur, d'agréer à toutes nos prières, de quelque manière que ce soit, Seigneur, mais que cela parvienne jusqu'à toi, afin que tu les exauces par Marie, notre mère. Seigneur, parce que c'est en toi que nous croyons, nous n'avons nul autre que toi. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Nous ne pouvons te comparer à aucun autre Dieu. Alors viens encore et soutiens la foi de ton peuple, Seigneur. Soutiens la foi de tes enfants. Soutiens la foi de tes bien-aimés. Nous t'en supplions, Seigneur. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi. Que je prie encore que le Seigneur te visite en ce matin, qu'il te fasse du bien encore en ce matin, peu importe ce dans quoi tu es, qu'il vienne te visiter et que Marie encore dépose nos jarres, dépose tous nos récipients vides aux pieds de son Fils, de sorte à ce qu'il les remplisse de ce qui lui plaira. Amen. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.